Léa a passé toute la nuit avec la femme du forgeron pour aider à ce que... Chalsa, c'est si gentil de vous intéresser. Mon peuple, les Vessins, est un peuple nomade. Toujours en voyage, à la recherche d'une terre où s'installer. Nous avons tous le don, mais il est particulièrement fort chez moi. Vous savez, les hommes m'ont toujours couru après pour mes visions. Bon, des fois, pas que pour mes visions. Mais tout le monde veut connaître ce que réserve l'avenir. Ce que réserve l'avenir, c'est la mort pour ceux qui veulent détruire ce monde. Toujours à parler de guerre et de sang. Vous ne pourriez pas ralentir un peu, profiter de la chaleur et des bras d'un homme? Le monde se renouvelle perpétuellement et les mêmes événements sont rejoués encore et encore. Nous, on ne peut qu'interpréter nos rôles. Êtes-vous vraiment obligé de toujours parler par énigme? Je parle clairement. Ce n'est pas ma faute si vous avez l'esprit confus. T'as entendu? Le vieux Rumford a encore diminué la ration. Forgeron, Descartes Kane m'a dit que vous m'aideriez à trouver la couronne de Léoric. Pas maintenant. C'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave, comme tous ceux qui se sont fait mordre. Je suis chargé de les abattre, mais comment puis-je tuer ma propre femme? C'est bien triste, mais il faut le faire. Je vais vous aider. Merci. Suivez-moi. Pas encore. Mes amis, je suis désolé. Il faut le faire. Je
Il faut encore attendre. Mira, mon ami, pardonne-moi. Ah, Edric, aide-moi. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Je m'appelle Edric Aemon. Edric, j'ai besoin de votre aide. Je dois retrouver la couronne de Léoric. Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier. Mon grand-père. Vous trouverez sa tombe dans un cimetière au Val Plaintif. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville. Écoutez, je vous vends tout ça avec plaisir, hein. Mais il faut me promettre de dire à personne où vous les avez trouvés, hein? Plus de fureur. Je dois trouver la fureur. Il faut encore attendre. Il est temps de mettre mes talents à l'épreuve. Pas encore prêt.
retourne en enfer, monstre. Pas encore. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Il faut encore attendre. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt. Pas assez de fureur. Il faut encore attendre. Pas encore. Les anciens me donnent la force. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt.
Il faut encore attendre. Plus de fureur. Quand les croisés eurent appris tout ce qu'ils pouvaient, Akan les envoya à travers le monde à la recherche d'un moyen de purifier la corruption. Je dois trouver la fureur. Ils n'avaient pas d'objectif précis à accomplir. Et certains dignitaires prétendirent que c'était en pure perte, qu'ils ne réussiraient jamais. Mais ces croisés ne se laissèrent pas dissuader. Pas encore. Faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore.
Il faut encore attendre. Je deviens redoutable. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Pas assez de fureur. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore.
n'est pas encore prêt. Il faut encore attendre. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt. En déménageant sa cour, le roi Léoric a amené beaucoup de nobles avec lui. Et les nobles, ils ont l'étrange manie de vouloir des sépultures pleines de noblesse. C'est pas pour encore. Ça que j'ai rappliqué. Armé d'une pelle et de l'intention de m'enrichir facilement en creusant deux, trois petits trous. Oh, quel naïf! Ils arrêtent pas de m'en demander toujours plus. Alors, je creuse matin, midi, soir et même la nuit, on dirait. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt.
Pas encore. Il faut encore attendre. Je refuse de faire ça. Je ne ferai pas ça. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Des pilleurs de tombes ont profané ma sépulture. À présent, mon mari souffre mille tourments, car je ne repose pas à ses côtés. Rapportez mes ossements, pour que nous puissions reposer en paix. Il faut encore attendre. Je dois trouver la fureur. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Il faut encore attendre. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt.
prêt à présent. Un adversaire à ma mesure. Plus de fureur. Il faut encore attendre. Ce n'est pas encore prêt. Il faut encore attendre. Faut donc à la peur. La couronne ne doit pas être dans cette crypte. Je continue mes recherches. Volcatos veille sur mon destin. Ah,
pas encore. Pas assez de fureur. Il faut encore attendre. Retourne en enfer, monstre. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt. Il faut encore attendre.
Je suis sur la bonne voie. La couronne ne doit pas être loin. Ce n'est pas encore prêt. Je dois trouver la fureur. Ou encore pas assez de fureur. Non, je ne vous permettrai pas de faire revenir ce monstre de Léoric dans ce monde. Pas encore. Je deviens redoutable.
Il faut encore attendre. Goûte donc à la peur. Impossible. Je ne peux pas. Je refuse de faire ça. Tu es faible. Ce n'est pas encore prêt. Je ne ferai pas ça. Rien ne m'arrêtera. Impossible. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt. Je retourne en ville. Vous avez retrouvé la couronne? Pour être honnête, je pensais pas vous revoir vivante. Ah, il faut la réparer. Ça ne devrait pas poser de problème. Ça fait du bien de se remettre au boulot. Et voilà! Elle est aussi neuve qu'au couronnement du roi noir. J'ai besoin de plus que la forge. Je dois m'occuper l'esprit. Je veux que ma vie ait un sens. Alors suivez-moi et affinez votre art. C'est une mission périlleuse qui m'attend, et je vais avoir besoin de vos armes. Vous disiez que votre grand-père était le chancelier du roi Léoric. Parlez-moi de lui. Il n'y a pas grand-chose à en dire. À l'époque, j'habitais avec mon père à Calderne. On a appris que mon grand-père était resté à Tristram jusqu'au bout, pour tenter de sauver des vies. Je ne sais pas s'il a réussi, mais au moins, il a essayé. Quand le roi squelette a été vaincu, mon grand-père avait reçu une blessure mortelle. Avant de mourir, il a demandé à ce que la couronne soit enterrée avec lui. Votre grand-père était un héros, à sa manière. Vous devriez être fier. Qu'est-ce que vous faites là? Votre femme vient à peine de mourir. Je l'ai mise en terre. Et maintenant, je dois me remettre au travail. Il n'y a aucune honte à être en deuil, forgeron.
Quand j'étais encore jeune, un lâche de Westmarch, bien à l'abri en haut de sa muraille, a tiré sur mon père. J'ai escaladé le mur à main nue, avec ma peine entre les dents. Et une fois en haut, je l'ai hurlé à la face de ce chien en l'étranglant. Une digue qui ne laisse rien passer finit toujours par céder. Brisée, vous ne me servirez à rien. Je ne veux plus parler de ça. Ma femme est morte et enterrée. Maintenant, vous avez un travail à me confier, ou pas ?